Coucou et bienvenue sur Great Channel. Voilà, je reviens vers vous pour vous présenter un haul. Voilà. Donc, j'ai commandé des petites choses sur Tonton Ali. Je voulais les partager avec vous. Voilà. Donc, j'ai commandé du ruban. Du ruban comme ceci. J'en ai commandé 3 paquets. Il y a 10 mètres à chaque fois. Alors je vous montre, vous savez, c'est cette que j'utilise beaucoup en fait. Je vais prendre un ciseau. Alors désolé pour le bruit. Hop, petite poubelle. C'est celle-ci. Le bout, voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, voilà, celle-ci je l'utilise beaucoup. J'en avais pu pour faire mes bannières. Vous voyez, là j'ai commencé à marquer mon coin. Et j'ai marqué mon coin atelier. Et aussi mon coin broderie. Enfin, j'ai changé plein de choses. Et j'ai fait aussi une bannière ici, là. J'ai marqué mon atelier couture. Parce que par ici, ça va être mon atelier couture. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ici j'ai mis ma machine à coudre, etc. J'ai remis une de mes machines à coudre parce que j'en ai deux. J'ai mon ancienne, si c'est mon ancienne, du coup je pourrais coudre aussi avec celle-ci. Et au-dessus, là, comme vous pouvez voir, j'ai marqué mon coin. J'ai marqué mon atelier couture. Voilà. Donc je vous rabaisse. On va continuer le haul. Voilà, donc mes petits trucs, j'en ai reçu 3 paquets, 30 mètres, parce que ma bobine, elle était vide. Et je ferai un tuto parce que je vais la décorer. Voilà. Ensuite, j'ai recommandé de la beige, car j'avais plus bezel dessus. Voilà, et là, il y en a 2 fois 10 mètres. Ça m'en fait pas mettre. Bon, après, je m'en sers un petit peu moins de celle-ci. Mais je vais recommander de la planche parce que j'en ai 30 mètres. Mais je pense que j'irai pas loin avec. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je pense. Ouais, alors ma commande, je l'ai passée la semaine dernière, elle est déjà arrivée. Hein. Donc ça a mis quoi 8-9 jours, c'est tout. Ensuite, j'ai commandé ceci. Alors, c'est la première fois que je la commande. En fait, c'est de l'élastique. Comme ceci, brillant. Vous voyez? Je trouve ça plutôt joli. J'en avais pas là comme ça et je me suis dit peut-être que je pourrais faire des choses avec. J'ai commandé ça. Voilà. Ça je rangerai après. Hop, dans ma poubelle. Ça avec. Ensuite, j'ai commandé des petites poignées comme ceci. Ça, voilà, car j'ai Christine qui m'avait fait un tableau et écoutez, elle m'a donné une inspiration pour faire des tableaux parce que je trouve ça super joli
Et la façon qu'elle a attaché sa petite clé là-dessus, ça fait trop joli. Puis en plus, on peut s'en servir comme petite poignée pour mettre sur des petites choses. Donc là, c'était un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en avait 10. Bon, pour le moment, j'en ai assez. Voilà. C'est pas mal. Donc ensuite, j'ai commandé ceci. Alors c'est une petite paire de ciseaux, mais qui va être très utile. Regardez. Elle est jolie. Et ben, elle a un petit aimant d'arrière. Et je vais vous montrer à quoi ça va servir. Ça va me servir quand je vais broder. Alors, donc ça, il y a un petit aimant. On l'enlève. Et je le mets là. Je la pose là, par exemple, ici. Oups. Il s'aimante derrière. Et mon ciseau tient. Vous voyez? Et du coup, quand je changeais de fil, quand je posais mon aiguille, et ben, ça se met dessus. Voilà pourquoi j'ai acheté cette petite paire de ciseaux. C'est pour ma broderie. Elle est trop mimi, j'adore. Elle est trop belle. Il y a plein de petites choses, mais moi j'ai pris ça parce que ça change. Vous voyez bien? Ouais. Voilà. Là, je suis dans mon autre pièce, dans ma grande pièce. Voilà. Donc, ça va être très utile pour mes travaux de broderie. Ça, je mets là. Ça, la poubelle. Mon petit truc, je le range après, je vais le mettre là. Pas l'oublier. Ensuite, j'ai commandé. Ah oui, ceci. Alors, c'est pareil. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. C'est pour de la broderie, mais vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre des petites laines, etc. Des petites ficelles. Ah, attendez. Que je vous ouvre ça. Et je pense que je vais m'en recommander un jeu de 5. Je vous montre. Alors ici, vous avez un petit anneau. Moi, je le mettrai sur un plus gros anneau. Et regardez, ça fait des bobines. Et du coup, bah c'est pour enrouler. Par exemple, regardez, je vais prendre ça, un exemple. Hein. Voilà. Mais c'est fait pour la broderie. Mais moi, je ne vais pas m'en servir pour la broderie, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, je verrai peut-être les deux, je sais pas. Mais ça, c'est pas mal. On peut en enrouler pas mal. J'en suis sûre que dessus, je peux enrouler tout ce que j'ai commandé là. Voilà pourquoi je l'ai pris. Et après, bah, je le mettrai sur un plus gros. Un plus gros anneau. Regardez. Et du coup, il y en a. C'est livré avec l'anneau. Plus 2, 3, 4 et 5. Voilà. Vous refermez votre anneau. Et hop! Mais je pense que je vais mettre un plus gros anneau. J'en ai plusieurs des gros anneaux, du coup je les remettrai avec. Vous voyez, ça fait ça. C'est pas mal, j'aime bien la petite déco qu'il y a dessus. C'est pas mal. Voilà, ben, ça je suis contente, je vais les mettre là. Après, je vais les ranger.
Ensuite, mes petites fétiches. Hein, j'en ai commandé deux paquets. Ça, celle-ci, c'est mes incontournables comme celle-ci. C'est les petites fleurs comme ça. Généralement, j'en commande peut-être 5-6 fois. Vous voyez les petites fleurs à découper comme ceci. Voilà. Donc, vous en avez pas mal hein, quand même à découper. Vous faites un bon. Pas mal de petites choses avec. Et du coup, j'en ai deux. J'ai pris deux paquets. Ça, c'était pour chez AliExpress. Ensuite, ce que j'ai fait, j'étais chez Action parce que je voulais une belle lampe que j'avais vue pour mettre à l'extérieur. Et bah, je l'ai trouvée, du coup je l'ai pris. Voilà. Et en même temps, je suis passée faire un petit tour dans les petits trucs. Voilà, ce qu'il y avait. Du coup, moi, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai juste trouvé une bannière comme ça. Voilà. Je vais la customiser un peu. Et puis je vais ranger les petites choses et je vais leur chercher 4 autres comme ça. J'en ai déjà 3. Je vais reprendre 4 autres et puis je vais en prendre une grande pour mettre mes albums. Voilà. Parce que il me fait de la place. Voilà. Du coup ça je vais ranger ça dedans. Et en même temps j'ai pris des petites trombones comme ça, de deux couleurs différentes, argenté et or. Ça sert toujours. Attendez, je crois que j'ai pris. Attendez, je vais chercher parce que j'ai pris autre chose et je ne l'ai pas apporté. Attendez, je reviens. Bah écoutez, je sais pas où j'ai mis. Je sais pas. c'est des petites perles qui sont super jolies. Je sais pas où je les ai mis. Enfin bref. Je me suis repris aussi une boîte comme ça pour customiser avec le petit tiroir. Bien avant encore, je l'ai repris. J'ai pris donc bah, les trombones qu'il y a là. Dommage que je ne peux pas vous montrer l'autre. Je ne sais pas où je les ai mis. Bah, je ne sais pas. Je vous montrerai la prochaine fois. Et j'ai pris alors ces petits trucs là. Donc je ne les ai pas pris pour les petites paillettes. Ni ces petits machins là. Mais je les ai pris pour ça. Les petites perles là et ça. Elles sont trop belles. Voilà. Donc ça, j'ai pris ça comme ça.
J'ai pris ça pour ça. Alors, impossible de vous montrer où est l'autre. Parce que j'ai rangé, j'ai remis un peu de choses dans ma grande pièce. Je déménage de l'autre, je reviens de l'autre. Oh, bref, c'est un brin. Alors, je voulais vous remonter le tableau de Christine pour les petites attaches que j'ai achetées. Je vais vous montrer. J'ai trouvé son tableau tellement joli. Et où c'est qu'elle avait mis ça? Alors, regardez. Elle l'a mis là. C'est pour accrocher une clé ancienne. Et je trouve ça super joli. Du coup, je vous remonte son petit cadre. On a fait un échange, toutes les deux. Voilà. Et j'ai trouvé ça magnifique. Avec le joli petit tag ici. Et ça, voilà. Et du coup, j'ai acheté trois petits cadres comme ça de chez Alcyon. En toile. Voilà. Pourquoi je vais vous montrer ça et je ne sais pas où j'ai mis mon truc, mais bon, mes petites paires. Bon, bah écoutez, je vous les montrerai à l'occasion. Voilà pour le haul de chez AliExpress. Voilà. Je suis contente de mes achats. J'attends une autre commande où j'ai commandé plein de petites broderies, enfin des petites choses. Tissu, machin, bidule, je vous montrerai ça quand ça arrivera. J'ai commandé là, donc ça devrait arriver dans 10 jours à peu près. Voilà. Donc je vais recommencer mes petits tutos parce que j'avais vraiment pas le temps. Et j'avais, honnêtement, j'avais autre chose à penser. Voilà. J'ai racheté une collection de papier que je vous montrerai plus tard. Qui est trop belle. J'en ai tiré quelques feuilles là. Elle est trop belle. Et c'est de... Oh là là, vintage. Regardez. Vous allez sur ETSI, vous trouverez cette collection. Elle est trop belle. C'est au niveau des moutons. Et je vais vous montrer un truc. M'a fait craquer aussi, c'est ça. Alors moi je l'ai tiré en plusieurs fois pour voir en plusieurs dimensions. Et là alors je l'ai tiré en une seule fois, ça vous fait ça, bouton. Alors ces boutons, tout ça, les petits nounours qui m'ont fait craquer. Je l'ai tiré en petit et en grand, et les nounours sont trop jolis. C'est marqué chocolat. Là, je l'ai tiré en grand. J'ai pris les lettres alphabet comme ça. Regardez les petits nounours. Oh, j'adore. J'adore. Et je voudrais faire un tag. Je voudrais faire des choses avec ce mot bouton là. J'aime faire des petites choses. Et là. Je trouve que c'est joli, il y a des tasses, tout ça, c'est une magnifique collection. Je vous la montrerai quand j'aurai tout tiré parce que là je suis en rade d'encre. Et ouais, j'ai pas tilté quand je suis allée chez Action, du coup je vais la rechercher. Quoique, si, il semble que j'en ai acheté une. Attendez, je crois que je vous dis des bêtises. Ah bah si, voilà, moi je prends celle-ci, les 603 qui vont très bien dans mon. Voilà, bah oui, j'avais été aussi pour ça. Voilà. Et chez Tonton Ali, j'ai essayé quelque chose. Parce que l'autre fois, mon mari, pour la fête des mamans, m'a offert le bracelet Pandora. Celui-ci avec le cœur d'arbre de paix. Et la petite fleur rose comme ça, blanche. Vous voyez? Comme ceci. Vous voyez, je la trouve belle, donc elle m'a offert ceci. Et il me fallait un clips pour pas que ça bouge. Vous voyez, un petit clips. Et voilà. Et vous savez où je l'ai eu? Je me suis dit, pourquoi pas?
Alors, je voulais vous dire aussi une chose. Ce bracelet-là, maintenant, on ne les ouvre plus comme on fait avec les ongles. Ah non. Il faut acheter un petit cœur porte-clés. Ça s'appelle Pandora. Il coûte 10 euros chez Pandora. Je l'ai sur mon trousseau de clés, mais parce que je l'ai dessus parce que voilà. Ça fait un porte-clés en fait. Et faut l'ouvrir avec. Parce que s'ils voient que c'est abîmé avec l'ongle ou etc., ils ne vous le rem... ils vous ne changent pas. Bon, là j'en ai déjà un. Vous voyez? Et là, mon mari m'a offert ça pour la fête des mamans. Et j'étais très contente, surtout avec cette rose-là. Donc, sur ce, je me suis acheté un petit clips. Alors lui, je l'ouvre avec mon ongle. Et bien écoutez, il fait tout son effet. Il n'y a pas de différence, sauf que c'est pas marqué Pandora. Et je l'ai eu sur AliExpress. Ouais. À 2 euros. 2,79 €. Et ça, je l'avais commandé avant la commande, la commande ici. Et depuis la fête des mères, elle ne bouge pas. Donc j'attends. Et si ça bouge pas, ce que je vais faire, je vais me prendre une chaîne de sécurité comme j'ai là, au premier. Et je me remettrai une chaîne ici. Parce que franchement, pour le prix que ça vaut, je vais tester avant de racheter autre chose. Mais pour le prix que ça vaut, bah, je le prendrai chez Tonton Ali. Parce que c'est fait pour les bijoux Pandora. Sauf que c'est pas marqué Pandora dessus. On n'a pas besoin de le savoir. Et ça fait le même effet. Et ça, c'est un clips. Du coup, mon bijou, il allait de droite à gauche, ma rose. Et du coup là, vous voyez, il y a un arrêt là. Et du coup, il ne va pas plus loin. Voilà. Du coup, à moi de mettre des petites choses. Car il y a toute une collection qui est avec cette collection-là chez Pandora. Qui est trop belle. Voilà. Sur ce, c'était juste une parenthèse sur les bijoux Pandora. Voilà. Du coup, bah écoutez, moi ce que je vais faire, je vais continuer dans ma petite bannière. Bah ouais, parce que j'adore. J'adore, j'adore. Alors là, j'ai fait mon coin couture. J'ai marqué mon coin. Voilà. Et j'ai mon coin couture. Ouais, non, mon coin couture, j'ai fait, il est là-haut. Ça va être mon coin broderie. Alors j'ai déjà fait le B, le O et le R. Et c'est pour ça que j'ai racheté les lettres là, parce qu'elles sont belles avec des perles et tout, elles vont être super belles. Et là, je... Alors, s'il y a quoi comme lettres là-dessus? Qu'est-ce que j'ai mis? Je sais que j'ai mis le mot broderie. Et j'ai dû remettre, faire un truc sur atelier. Je regarde. Alors, j'ai dû faire les deux. Bro. D. E. R. I. E. Là. Il doit manquer des lettres, tu dois être resté de l'autre côté. Bon, enfin bref. Là, ce que je vais faire, je vais continuer celle-ci pour marquer mon coin broderie. Parce que je vais me faire un coin broderie. Un coin couture, ma couture, je vais la redéplacer, je vais repousser ce meuble là. Je vais mettre mon coin couture là, comme ça, c'est mon atelier couture ici. Ça sera que pour ma couture, et l'autre côté, ça sera pour la broderie ou alors un coin broderie. Et que mon atelier de couture, je fasse juste à côté, je sais pas encore.
Je suis toujours en train de changer. Mais bon. Moi, j'aime bien le changement. J'aime bien décorer. J'aime bien faire plein de petites choses. Voilà. Et là, avec ces petites images que j'ai eues, bah, je vais vous faire un tuto sur un joli tag avec cette jolie collection de papier, car elle est trop belle. J'adore. Je lui en ai acheté deux, donc une avec tout l'alphabet, mais comme ça, mais avec des perles et des machins. Et j'ai acheté avec l'heure du thé, avec les petits nounours, chocolat, etc. etc. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, assez de blabla. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, écoutez, je vous fais des énormes gros bisous. Et je vous dis à bientôt sur les créas de Chanel. Bisous, bisous. À bientôt, mes petites abonnées. Bisous, bisous.